Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous, nous qui parlons. Oui, oui, cette belle langue de Molière. Le Québec étant l'autre patrie de la langue française, de la langue de Molière, la seule à l'extérieur de la France. Il y a beaucoup de colonies, il y a beaucoup de pays africains qui sont des colonies, qui ont été colonisés, des pays asiatiques, le Vietnam entre autres, hein, ou le Cambodge, où on parle français, mais nous, on vient de la France, des Québécois. Cousins français, on est là avec des liens de sang. On est la seule nation, mis à part la France, qui parlons français à l'extérieur de la France. Les autres, c'est des colonies, c pas pareil. On les salue, on les aime, mais ces gens-là, ils l'utilisent à temps partiel. Nous autres, on est là à temps plein, avec vous autres, dans le même bateau de l'endoctrinement en plus. Regardez la presse française, waouh! C'est hallucinant, la presse française. La presse française est là pour vous convaincre d'une idéologie. Ce n'est pas le rôle de la presse de vous convaincre d'une idéologie. La presse est là pour vous renseigner. Mais ce n'est pas ça qu'elle fait. Au Québec, c'est pareil. Nos médias, nos élites sont là pour nous convaincre d'une idéologie. Ils ne sont pas là pour nous renseigner et nous amuser. Les artistes ne sont plus là pour nous amuser ils sont là pour nous convaincre du bien fondé de leur plan politique. C'est dangereux ce qui se passe. Chers amis, on va parler d'extraterrestres. C'est un... naturellement, hein, c'est quelque chose de, qui est dans l'air depuis des centaines, des milliers d'années. On n'a qu'à penser aux civilisations pharaoniques, où apparemment, sur des hiéroglyphes, on aurait vu des symboles hein, faisant référence à des visites ou des gens qui seraient venus visiter de... Du ciel, de l'extérieur, d'un espace lointain. Ceux qui suivent les. ou qui sont vraiment intéressés à, aux phénomènes extraterrestres, vous savez de quoi je parle. Il y a un phénomène extraordinaire qui est arrivé au Japon, au-dessus du mont Fuji. Il y a beaucoup de. D'abord, je vais juste mettre une, une chose bien au clair. OVNI veut signifier, c'est un acronyme qui signifie Objet volant non identifié. Il y en a plein qui sont témoins des centaines de milliers de terriens qui sont témoins de, ou qui ont vu un objet volant non identifié. Donc on ça le dit à la base, à la base on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du n'importe quoi comme ça peut être quelque chose de fondé. Et il y en a de plus en plus parce qu'on a cette petite technologie qu'on appelle le téléphone portable. Hein, qui permet à tout le monde d'avoir un appareil photo ou une caméra à portée de main instantanément quand on en a besoin. Et c'est pour ça que ça se multiplie, les témoignages audiovisuels de ces ovnis. On peut voir l'image ici, je vais vous laisser le lien vidéo dans la boîte de description, au-dessus du mont Fuji, exactement. Est-ce que c'est un nuage lenticulaire? Mais on regarde la forme et c'est parfaitement, parfaitement. Ressemblant à une soucoupe volante. Naturellement, quel outil magnifique et efficace si on vient visiter la Terre que de se cacher derrière un nuage, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un nuage lenticulaire ou un vaisseau spatial masqué dans un nuage? Les extraterrestres visitent la Terre depuis des centaines d'années et la plupart du temps, ils utilisent des nuages pour se cacher des êtres terrestres que nous sommes. De plus, les extraterrestres semblent vraiment aimer les volcans. Par exemple, au Mexique, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'observations, même de documents audiovisuels qui nous montrent ça. Et c'est vrai, on va voir 3 juin 2018, hein, 3 juin 2018, OVNI au-dessus du volcan de Popocatépetl. Je vous laisserai le lien. Un mystérieux objet lumineux surpris en train de voler au-dessus du volcan Colima, aussi au Mexique. Et c'est plein, plein. Et c'est souvent au-dessus des volcans. Les chasseurs de venir disent que les lumières au-dessus d'un volcan mexicain pourraient être des extraterrestres. 7, oct 7 octobre 2015, 22 mars 2017, faisceau mystérieux au-dessus du mont Etna. Et c'est plein, 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 plein de témoignages comme ceux-là. Donc, c'est probablement juste un nuage, mais gardez l'esprit que le Mont Fuji est un point d'alimentation ou une zone contenant de hautes énergies psychiques en raison de fortes déviations du champ magnétique terrestre. Et fait intéressant la majorité des observations de VNI se produisent dans des zones où des déviations magnétiques existent. Donc il y a peut-être un lien. Ce qu'on ce qu qu voit là, ça peut être une observation étrange qui doit être liée au programme de contrôle météorologique, peut-être. Le gouvernement, les gouvernements organisent des programmes secrets de contrôle de la météo dans le ciel. Et les formes étranges de nuages indiquent que le programme se poursuit de manière continue. Donc ça peut être beaucoup de choses, mais ce n'est pas naturel. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde s'entend là-dessus pour dire que ces nuages qu'on voit bizarres, de différentes formes, ne sont pas naturels à vous de tirer vos propres conclusions, mais quand on regarde la multiplication de ces observations, surtout au-dessus des volcans, qui sont des sources d'énergie incroyables, il reste un pas à franchir pour arriver à la conclusion que ça se peut que ce soit ça. Tout est possible, moi je suis ouvert à tout, mais c'est vraiment extraordinaire. Comme phénomène et comme idée, mais ces nuages-là, ce n'est pas naturel. Je vous laisse les liens, vous irez voir ça, c'est hallucinant, puis vous tirez vos propres conclusions. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes intéressés par ce phénomène-là. Hein? Et ce n'est pas nouveau. Ça fait des milliers d'années qu'on est intéressé à ça. En conclusion, on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose qui remonte au Pharaon, qui nous rappelle un peu cette idée. De visite d'extraterrestres. Sûrement qu'on va trouver quelque chose, hein? Encore ici, ça semble être euh, au-dessus. de volcan. Sûrement qu'on devrait trouver quelque chose. En français, c'est toujours plus difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est comme ça. Tu as toujours plus d'infos accessibles en anglais. Naturellement, il y a plein de ces masques et de ces œuvres d'art qui font référence à des formes visuelles de vraiment très étonnantes. Très étonnantes. Très étonnante. Mais enfin, vous savez de quoi je parle, je, je mettrai le lien puis je vous le partagerai. Mais en conclusion, extraordinaire, cette for formation nuageuse au-dessus des îles Fuji ou du volcan des, du mont Fuji, très, très mystérieux, pour le moins qu'on puisse dire.